Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Bienvenue à GKAM Télévision, fidèles abonnés, chers internautes, me voilà encore devant vous dans le cadre de l'émission Debout Congolais. Partout où vous vous trouvez à travers le monde, Samba, Olonga, Amemibino, Namote, Mapa, Pesibino, Boye Imalamu, Nakati, ya plateau, Aba éclairé, Debout Congolais. Yambo émission et banda boyebiete nazalaga toujours na tina ya ko rappeler na biso ete justice ya Nzambe eratakate justice ya Nzambe moto mokote a échappaka na contrôle nango soki solo yo ko échapper na contrôle ya bato mokili yeba ete Nzambe ba échappaka ya ta mokete mabe yo oza ko sala na nkuku yeba yango ki ezali na moto yo azomona nyonso yo ozali ko sala omibenga yanke omibenga gang omibenga tout puissant ozala rusé ozala ndenge nyonso yo komibenga sache le bien qu'il y a toujours une façon oyo kufuta mabe ozali ko sala yango na salaka na bele la katango nyonso to milengele parce que justice ya Nzambe ezali pe tôt ou tard et ko finir par ko rattraper yo. Actualité na ye nango liboso na bino mokolo ya lelo ya liboso ezali kota la maye etali force régionale to pe force ya communauté des états de l'Afrique de l'Est ba révélation tata mokoze ekolo Félix Tshisekedi ya sali depuis le Botswana ezali kota lisa ete vraiment force régionale y a EAC à venir nango ezali incertain na kati ya République démocratique du Congo tata mon conseil ko la talisiete ezali na ba problème concernant fonctionnement ya force wana pe lokola mandat ya force régionale ezali ko sila na mois de juin soki na date wana oyo esengama ki salima esalamite en tout cas to ko décider to raccompagner contingent wana oui, yaki pona kosunga biso na honneur nyonso toko mema bango tilibanda ba frontière na biso bazonga na bamboka na bango na kimia pe na honneur. Il a aussi parlé na problème etalaki démission ya général Jeff Nyanga oyo a démissionné qui après démission na ye le Kenya a rapidement remplacé ce général sans consulter les autres pays. Et à César et à Kenya, et mon côté, il a fallu consulter les autres membres pour trouver des solutions ensemble. Et là, qu'est-ce qui est le problème, Penda? Et Zali, tata mokonzi ekolo, alobaki bongo, na Botswana, et pas yuwa pekena yuko koutanana, président. Ya Botswana kuna, basolo lepe sur partenariat République démocratique du Congo, na Botswana. Le président a même aussi indiqué que Azako épargné, contingent burundais, le reste des contingents, ba révélation, ils allaient grave. Ils allaient que la cotale, ils allaient être, militaire, il y a contingent, moussous, il y a force régionale, ils allaient que cohabitent, ba M23, puis ils allaient foutre, ils sont pas que, dans la zone où ils allaient occuper. Ce sont des révélations très graves au président de la République, il y a sali, où ils allaient commettre en cause. Mission et force régionale dans la République démocratique du Congo. C'est un sujet qui fâche et un sujet na biso to kolobela. Yambo na kati ya émission na biso mokolo lelo. Actualité to kolobela ya mbala mibale ezali conflit ya bayaka na bateke eza kozwa ba proportion moko très inquiétante. Batebele bazali kopesa na ba version na bango to moni mikolo elekaki ndenge nini yiki ikezalaki lisusu kuna babomi bato bamilisi wana baza kobatama na périphérie baza kobatama na bazamba chaque fois baza kosala ba incursion na bango na cité epai wapi bato bazali mpona koegorger kokata bato mitu mais au-delà de ce que nous voyons qu'est-ce qui se passe réellement qui sont à la base ya conflit oyo
ils allaient comme on en a de manière claire que ils allaient te battre qui n'a pas yakamutu ils allaient couer les andes les cambo mosusu toujours dans cadre il y a conflit oyo pour la vidéo awa il y a député moko azali muteke comme on a eu Willy Bolio il y a un député national accueilli na siège il y a ONU awa il y a MONUSCO pona kosenga intervention ya Nations Unies na likambo oyo ezali koleka na plateau ya Bateke ezali koleka na Kwamutu na périphérie ya Kinshasa pe bisika mosusu amoni que gouvernement ya Kinshasa bazali capable été ya stopper hémorragie oyo ezali kosala ke bato bakufa mingi na plateau de Bateke la plupart ce sont de Bateke vraiment malgré ba commission nyo so gouvernement Kinshasa a sali solution ya malonge ezali komona na te yango bango bakimeli pene na Nations Unies pe bazali ko rappeler charte ya Nations Unies na chapitre 7 oyo lobby protection ya ba citoyen to pe ba civil soki bazali menacer ke gouvernement azali incapable ezali pasi pona mboka na biso to kozongela sijo ezali pasi to meka ko analiza ngo koyeba proposition à député wana est-ce que ezali malam nini ezali derrière conflit ndenge na utai koloba awa ya misatu to kolobela phénomène ya ba destitution ya ba gouverneur ezaka to longwe na province songolo to kei na province pakala qui sont derrière les destitutions est-ce que ba destitution ya ba gouverneur ezali ko profiter na ba population congolaise na ba province wana toté banani oyo ba inishaka makambo ko destituer est-ce que ba gouverneur na biso nyonso baza incapable bazali incompétent ndenge ba député bazali ko présenter biso to ebina noté mais au cours ya élément oyo to kolobela likambo etali destitution ya Tanganyika ya gouverneur ya UDPS Julie Ngungwa wazali déchu azali ko accepter défaite na yete bolanda audio na ye awa audio teme appel na ye échange na ye na moko ya ba député azali prêté ya ko accepter destitution na ye qui sont à la base de cette destitution ba to bazali ko dénoncer makambo ebele réseau ya Kinshasa ndé mutu azali ko entretenir déstabilisation na kati ya ba province pona positionner Bapion Oyo Bazali na profit na bango ça sont les premières impressions voilà tout pour l'actualité que nous allons aborder avec vous aujourd'hui na yebike ba sujet eza ebele mais pona komba mutu pas cité malamu to sokana nous lelo wana lobi pe eza mokolo na pesio matondo yo mutu rejoindre plateau ya ba éclairé pona mbala ya liboso na sengi na yo o s'abonner continuer ko partager actualité na biso continuer ko tiquer na biso ba commentaire Ozali ko soutenir debout congolais depuis wapi Ozali faire d'essai na motema depuis wapi vraiment il faut ko soutenir chaîne Nabino bo continuer toujours ko tombola bendele ekolo Congo longonya na moto nyonso Ozali abonné na chaîne Nabiso pe Ozali membre fidèle na pe Sibino matondo mingi yambo na banda toujours émission na ngai na Ozali ko partager penser oyo vraiment peine oyo toujours bande kona biso tile lo baza komona ba we ya bangote na kale ba phénomène ya tolo banini ba phénomène naturel oyo to monaka na ouest kake bomi batu côté mususu kuna le susu mine baluki memi le susu batu côté mususu le susu mbule beti le susu so mu pepe et memi le susu bandaku ya batu on ne sait pas vraiment le Congo. Que Dieu nous épargne de certaines catastrophes. Tous les sous vraiment la mité, mais qu'on supporte ma ramaboueté. J'entre très rapidement dans l'actualité qui nous concerne aujourd'hui, comme annoncé au sommaire. Force régionale est allée na porte, y a sorti, y a République démocratique du Congo. Kolandisama loba oye lobami na tata mokonzi y a école Félix Tshisekedi. C'est vrai, biso ba congolais, la majorité tout s'opposa qui na boyeyi ya force oyo na kati ya mboka na biso sachant que la plupart des pays qui vont envoyer leurs militaires na cadre ya force régionale oyo bazali d'esprit na biso ba congolais
y a des gens qui sont allés même plus loin pour démontrer que Batuti, Bazali solidaire, Bango na Bango, ici est commis question moko ya race, question moko ya ba différence morphologique, et que ça là qui est joué par rapport à la mission où ils sont censés ramener Kimia pour le bien-être de tous dans la région des Grands Lacs. Effectivement, le peuple congolais a eu raison de s'opposer énergiquement à la présence de la force régionale en République démocratique du Congo. L'ONU, qui a été désavouée par le peuple congolais, bah, il faut ajouter les sous sur la liste, il y a ONU, force régionale, le peuple congolais a une mauvaise expérience des missions qui viennent en aide ou bien à la rescousse du peuple congolais ou bien de notre armée qui est dépassée par certains événements. Dans le cadre d'actualité, nous avons abordé le président Félix Tshisekedi à Salaki déplacement, Kolongwa na Namibie. Et Bisikawa Pibango Bakendaki pour Namakambo et Ali Sadek vers le Botswana et Paiwa Piakendaki Kokuta na homologue na ye président ya Botswana Kuna ba échange qui sur partenariat entre la République démocratique du Congo na Botswana. Denge binomoko bozomo na ngona ba photo, l'accueil était chaleureux comme tous les présidents balinga ka soigner, tout moni ba sourire, ba makambo eza ebele. Kasi, à l'ordre du jour, Makamweza Kulegana Est ya Congo, Makanisi Kizanga Epe Kobeta Mate, étale clairement les problèmes qui existent concernant la force régionale. Atal ici que fonctionnement, il y a force régionale, ils allaient composer problème. Ils allaient composer problème pour Nanini parce que Oyo Congo azalaki kozela tope oyo elobama ki yangote ezali kosalema sur terrain. Nakanisi na kozwa souta ebelete pona banda kolatali sabino comment nous avons démontré mission o ezali na ba pays voisins na biso bazali na kati ya force régionale mission o ba pesi bango la complicité de certains pays occidentaux pona ko contourner ba recommandation ya Nairobi na ya Luanda. Il y a les sous-questions qu'on expliquait parce que te comprendre biso nyonso et ceux qui réfléchissaient à gauche, ceux qui réfléchissaient à droite, nous finissons tous par comprendre que la mission de la force régionale n'est plus importante pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Yango Félix Tshisekedi alobi lokola mandat na bango ezali kosuka na juin. Si à cette date nous constatons que le mandat n'est pas rempli, nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse. Et puis nous allons les raccompagner na honneur nyonso pour bakende. Maloba au président de la République azali koloba concernant force régionale les ambala liboso te azali koloba ngo. Tu as vu qu'il y a de cela trois mois que tension ezali tendue, climat est tendu entre Kinshasa na ba principaux pays oyo bazali ko animé force régionale. Le langage de Kinshasa est que mandat oyo bino boyela ki na kati ya République démocratique du Congo ezali mandat offensif, c'est-à-dire boyela ki nde ko bunda bitumba. Toyo kanaki ke soki ba rebel ba kosala musala na bangote sengele bino baka ngabisaka na makasi sadi bino bo bundisa bango. Mais sur terrain nous avons tous vu que ba militaire oyo bazaki sansé ko bunda bitumba ba komisi bango ba politiciens ba komisi bango ba agent humanitaire sadi force kenyane et komi lokola MSF soki Médecins sans frontières. Et comme tantôt le rôle Women Rights, et comme tantôt le rôle à ONG à l'Okuta et Tondi na Est et à Congo, soit disant que Bazali en aide na ba victime, alors que ce sont des services de renseignement, ce sont des agents de relais, Oyo Bazali qui communiquent tout le temps na ba mouvement rebelle.
Ici, le président Félix Tshisekedi a raison de parler haut et clair que mission y a force régionale et qu'aussi la Sogibiso Tumoni clarté. Là, il est en train de parler en tant que politicien. Le langage clair est que il est déjà décidé que force régionale et Sengeli batika Congo. Le fait pour la République démocratique du Congo d'aller demander l'aide de la SADC pour SADC aya na même mission, na mission de même nature que EAC Azali Kosala, il a qui si déjà que porte Mokwe Ezo Kangama pour Moussou Fongwama. La SADC Oyo Congo et Koiko Kiko Senga Luboko, Oyo Congo Pesa membre, que Boya Kouede Bisso Ezali déjà Kotali clairement que disponibilité na bango. Donc, si Félix Tshisekedi est allé encore tendre la main à la SADC, c'est parce qu'il n'est pas satisfait. Ba Congolais, baza déçu complètement na Moussala Oyo, force régionale, il y a EAC, Bazali Koussala na Congo. Donc, de ce côté-là, le président de la République n'a fait que dire ce que nous avons déjà dit, ce que tous les Congolais ont constaté. Diplomatie, ils ont une manœuvre Nango. Il y a toujours une façon de se séparer avec les gens sans qu'il y ait violence. Tout côté qui n'a malembe, bakanga qui bissou dans ma cacité, kobimape, il faut les aller sans conséquence. C'est-à-dire kaka porto ba côté là qui porto et singeli pe ba bimela. Donc mandat na bango le rôle les aussi là na fin juin. So qui to moni clarté, déjà to moni clarté monsieur le président de la République, to moni na biso clarté. Exacte que so qui to moni clarté, déjà to moni clarté. Un mois, ils ont les sous moussikate. Un mois, wana, c'est un bas jour. Quelques jours, ils ont les sous moussikate. Normalement, République démocratique du Congo a zalana courage. Il y a quoi ebi sa bango clairement qui en tout cas le peuple congolais, bango gouvernement. Le peuple congolais n'est pas satisfait. Le peuple congolais n'est pas content de la présence de la force régionale et du travail que fait la force régionale en République démocratique du Congo. Donc, ton pays frère à la hausse, tu as la carrière de la diplomatie, au nom des cris du peuple congolais, Oyo, Baza, pas souverain, le peuple congolais est souverain. Si le langage du peuple congolais est repris par le notre gouvernement de manière brute, ils ont fait façon à quoi avertir Nabatouana que, boutique à Moussa, les autres, ça les a mabé. Mais le gouvernement n'a pas eu de la mafoute à payer les cacatés. Banda bobandi kopakola mafuta, kopakola mafuta. Non, quand c'est un mal, ndoki mususu soko monie, belelaye avant. Po ayako kangayo mungongote, comme on le dit chez nous ici, soko moni ndoki belela, no kita ayako kangawa melayo mungongo. Parce que plus ozo zoatan, plus ozo désactivé, na émotion na yo, otikali ya zo lokayo, ozo kolobasu e loko mungote. Mais on sait que Awa Congo Azali Kosenga Lobogo na SADC. Je reviens là-dessus. Les problèmes du général Dief Nyaga qui a démissionné. Kenya Penda a tali si que complicité za makashi et que bazana bango na souci a ko aider Congo ata mukete. Général Alongwe Mususu a été remplacé. Donc Balongwe général wana za ko démissionné, c'est comme s'il avait déjà parlé avec son président. Kaka Azako démissionné après 30 minutes ou bien une heure, annonce Salami que va nommer Moussou Yassika. C'est-à-dire, l'organisation en Nizanangwe à Kenya, ils allient à Batunion sauter. Les Kenyans décident qui a donné le veto au Kenya et à Rubandako décider sans consulter les autres. Même si celui qui vient de quitter est un Kenyan. Mais est-ce que vous allez dans le droit, il a procédé à la nomination à la va-vite sans que vous consultez Baninga? L'autre réalité, c'est que pour voir que Kagame, notre président kenyan, et il faut ajouter aussi à cela Museveni, bazana bango de connivence. Réunion munene salami bao bandai ko senga que il faut qu'on se réunir, il faut loba. Le président kenyan a y été. Kagame a ke mangamwa et pas ba anglais, bato yo bakoyi ko pesa souffle ya sik. C'est-à-dire batiki vide, ba yebi ke tango bazate bongo, bako sala comme basour. C'est une suite où ils ont déjà que ceux qui ont été à la Makamboa EAC,
déjà tous à anger contre ba pays belé bazana et assez parce que ba préféré na bango ba intérêt le jeu d'intérêt derrière Kagame ils a ko monana ils a su ya ko lobelati le troisième chose où il faut toyer ba awa ezali et le président abimisi oyo ils a ko pesa makanda bande ko mususu ba lobaki makambo ba balkanisation awa ba komi lokola baza ko zo raison que Batoyo présence na bango baende ko balkaniser Congo sur base ya Kindoki ya président kenyan oyo azali na vision panafricaniste été ba militaire kenyan na ba militaire ougandais surtout mingi ba militaire ougandais place bazali bazali ko cohabiter na ba militaire ya M23 bazali ko collecter ba impôts dans les zones qu'ils occupent illégalement. Ezagi bongote et l'Obama qui bongote dans le programme, ce n'est pas ce qui a été dit. Ça, ça vient du président de la République. C'est-à-dire, Bango, Bayagi n'a objectif que Togozalande na pembeni. Tant Togobanda ko lekisa. Bandeko, on ne se trompe pas. Même si nous autres, tout pesa qui analyse, awa tozako tolere, tout le bito kene na liboso. Raison, moussou suppose, ou angoba pesa yo raison, il faut. Oti kanano batunyon so ba observer ba mona oyo za komona yo koza lozo mona musika mais tout le monde ne voit pas de la même manière que vous. La réalité qui fait que Félix Tshisekedi na minute va paraître le rôle naïf oyo baza ko benga ena de ba sesanga ba opposant sesanga na plateau à TV5 monde à lobby la naïveté l'apprentissage muto azali ko luka ko apprendre. Ça ne s'appelle pas de la naïveté, ça s'appelle défense à Félix Tshisekedi. Vous avez la présidente en beaucoup de facilité. Opinion, topé décision, où ils ont mis la communauté internationale que, bon, mais quand on a un peu, les États-Unis d'Amérique, basali na sima. Il y a décision où on a sali que, Congo et Kota n'a nous EAC. Tu es toujours vrai dans le pays où on a pobino, bon, pour ça, on a pembeni. Pour trouver solution na baninga na bino ba africain te Tshisekedi a s'opposer contre États-Unis a s'opposer contre communauté internationale na ba partenaire mususu alo ba non moi je refuse la proposition que vous avez donnée. Ça dit il n'y avait pas de choix ceux qui tozali ko réfléchir bien même le président Félix Tshisekedi avait tenu compte de ce que disaient les Congolais. Je pense dans un conseil des ministres le président a bien dit qu'il garde une oreille attentive na désaveu au ba congolais bazana ngo vis-à-vis ya force régionale de zone qui est en Congo. Mais la diplomatie, la réalité politique n'est pas ce que nous nous voyons là. Ce qu'on continue à mousindoa makambo ko mona ke biso toza musika, ozo réfléchir mukuse po ba bribe ya information aux anango, ezo permettre yote que au mona réalité topé au mona situation telle que muto azali na pouvoir azali ko mona. Ce n'est pas facile. Mais lelo, nous sommes devant un fait accompli. La RDC a vu clairement, a pris acte. Il y a Moussala Oyomabe, force régionale Baza Kosala. Les seuls contingents, il y a force régionale Oyo Bazali Kosala Moussala Nabango Baza félicité. C'est les contingents burundais. Bango Baza continue. Moni Pendake, même Barébel Oyo. Bazali lié était dans M23, ceux qui va s'attaquer la population, les Burundais ils agissent. Mais ils ont des Kenyans, ils ont des Ougandais, ils ont une mission à Bango et c'est ce qu'ils veulent accomplir. Voilà le travail d'Emmanuel Macron. Parce que tout le monde est à un niveau de Bissot, mais tout le monde est à un niveau de Bitumawana à partir du sommet et où tu es là qui est. C'est ça ce que Macron a proposé comme carte aux Américains, c'est ça ce que les Anglais veulent. Créer un chaos pour Tshisekedi parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui ne cède pas. Seul le chaos peut ramener Tshisekedi à l'ordre. Tant que vous créez un chaos, vous pouvez essayer une solution. Tshisekedi, ce qui est tous les gens qui ont été en train de se faire, vous pouvez faire Tshisekedi. Il n'y a pas de solution miracle, les solutions sont dans les temps. Le temps pour le Congo de s'organiser. Le temps pour le Congo de nettoyer son armée. Le temps pour le Congo de réformer l'armée, d'équiper l'armée, de commencer à fermer les frontières, d'assainir notre service de migration, les renseignements.
Ils ont biloko, ils ont échappé. L'analyse y a pas congolais. Ils ont tous au moins un cas où ils ont tous au moins un dire ça facile. Moi, la soeur Azoli et la papa n'a élu pas. Ako yeba teke na poche papel loko ezate ya yebika ke bapesa ka elipa mwana soka zoze la papa awole la papa na elipa ako yeba pas yo zana mutema papa na yete c'est-à-dire les demandes des congolais les attentes des congolais quelque part eza lokola ya bana oyo baza ko lela sans savoir situation ya baboti na bango et si les enfants savaient ce que les parents endurent. J'ai pris cet exemple là pour vous comprendre makambo eza ko leka sur terrain. Félix Tshisekedi est en train de sauver le Congo d'une manière où la plupart des Congolais ne comprendront pas. À moins aux alanamois maturité, moko spirituelle. Spirituelle, j'ai dit. Scientifique, était. Pour comprendre que Mouto et Fotolti, que les marges de manœuvre, ils souffrent réellement pour n'a qu'on sauver Mboka Oyo. Pour comme ils s'en avoir Oyo, vision à Eza Kokamba. Mais, nous les Congolais, tous les experts, médiocrité spirituelle et paille, retard, il y a connaissance, il y a événement et paille, aux vivre dans le Congo, aux Alibanda. Il a trahi le pays, c'est maintenant qu'il comprend que EAC baya ki pona ko trahir, baya ko balkaniser mboka, aza kolabo. Quand après avoir raconté tout ça, la réalité vous prouve le contraire au kanyi munoko obosani o lobaki lobi. Voilà les mots qui nous font souffrir nous Congolais parce que culture nanu information amala mutuza nangote. Deuxièmement, toza ba racontar. Troisièmement, on n'a pas le temps de fouiller dans notre passé, d'avoir une bonne mémoire historique. Non, pour les Congolais, ce qui est passé est passé. Ils vivent du présent au présent. Le rôle de la c'est que le taux du jour, on est le lobby, on raisonnait que le lobby n'a rien qui, le lobby, présent pour le présent. Franchement, le président Félix Tshisekedi lutte, même en basant que le baron est mercenaire, on est. Toutes les chancelleries occidentales ont activé leurs services de renseignement au Congo. Objectif, contrôler Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui fait que Mutu Oyo, après toute la pression qu'il subit, il vit comment? Il fait comment pour nous résister? Ça, les chancelleries occidentales, Bazako Mituna. Pendant que nous, Congolais, nous allons s'attaquer à notre frère. Nous sommes Congolais, tout le monde, que Tshisekedi est mauvais, l'incompétent. Il veut trahir. Les autres pensent que c'est Tshisekedi qui fait pire que Kabila. À l'époque de Kabila, c'était mieux. Les chancelleries occidentales, à travers le réseau Nabango, il y a une formation. Bazali Koumitouna, Moutoyo, Azosala, Nengenini, pour résister jusqu'à ce moment. La pression à Zako subir. Comment il fait pour garder le cap? N'est pas accepté par compromis au bazar qu'on proposait pour retrouver la paix. La paix se négocie. Félix Tshisekedi a plusieurs solutions devant lui, la solution bazar qu'on proposait. Il est possible de vendre le Congo comme on le dit là. Félix Tshisekedi, possibilité Zalike a continué, a été que la bango m'a bouloulu, a baxé le bango, Kabila baxé, a pesa ki bango. Le peu qui nous reste, le vendre au nom de la paix. C'est ce qu'on impose. Laisse les Rwanda tranquilles, laisse l'Ouganda tranquille, tika Kenya, tika ba projet songolo pakalosa nango, ya banzela pona ko relier ceci. Voilà ce que nous voulons. Tika ba zone wana ndenge okutiango, c'est les pressions qu'il subit chaque jour. Il faut avoir une perspicacité pour arriver ya kokoma esika oyo mutuana bitumba ya solo eza. Le vrai combat, ce n'est pas ce que nous voyons au fond. Le vrai combat est au sommet du monde. Combat et Zandewana, reconnaissance ya Congo comme un État. Et ça, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit concept, un terme vague. Nous vivons comme un État seulement de manière formelle. Mais dans le fond, la réalité prouve le contraire. Nous ne sommes pas un État. Il dit que c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons difficile, pas impossible. Mais il faut des Congolais qui comprennent ça. Au bazar, on comprend que Mbokoyo, ils ont dit que nous sommes que des simples occupants. Batoyo bazali ko tirer profit. Batoyo basimbi pouvoir, réel pouvoir, il y a l'État congolais et qui n'a pas beaucoup de bandits. Voilà ce qui nous fait souffrir. Nous avons une armée qu'il faut reconstituer. Batoyo lo baye assez. Non, toutes ces solutions, ils allaient peut contribuer à la manœuvre, à la bisopo. Bisso, toi, arriver à s'organiser. Calcul, on a eu ça. Je reviens ici sur ce qui est dit
à propos ya Sadek. Tomoni parenthèse mususu se fongami munene awa na makambo etali Sadek. Na lobai kaka na banalyse précédente que eza ndenge biso tozo kanisate, le jeu politique est un jeu d'intérêt, de réflexion, de guerre de nerfs. Oh, biso toza komema moralité, bango baza très proche na biso à politique et surtout que le capitalisme aujourd'hui a détruit complètement la moralité na sphère politique. Il n'y a rien pour rien. Même na Sadek et sika biso toza kokimela, toye bango que ba intérêt koza la kaka. Il y aura toujours guerre d'intérêt. Pour certains, ils pensent que non, na Sadek, ça serait beaucoup plus le Bantou. Oui, je vous écoute, Makamunyon Sobozoué Bissanga, ça serait beaucoup plus le Bantou. Kuna Bango, Ezakana Bango Batuti, Félix Tshisekedi a compris que Bango Baza, Mingi Mingi Batuti, ce sont tous des nilotiques, bah, Sali Klana Bango. Non, les intérêts, ils sont malhonnêtes, ils n'ont pas d'humanité en eux, ce qu'ils voient, c'est les intérêts. Éducation Bango Bazui, Eza éducation à capitalisme, tout est basé sur les intérêts. Nous devons garder toujours l'œil vigilant. Bato bazo kanisa ke Sadek, même ceux qui va intervenir na ndenge souwe na biso ezali. Ce que le président veut là pour une mission offensive. Oui, ça se dit comme ça de bouche en bouche, bokomiango même na papier. Mais ba agenda ya bato ba lukaka. Kagama za ko sala tour partout avec un agenda. La Tanzanie est dans la Sadek. L'Angola est dans la SADC. Ah, bien au déjà, vous avez ça l'analyse. Bozui Kaye, Bozui Bik, Botali Bolobi. Kagame chez Joao Lourenço. Ils ont des accords signés sur le plan économique. Bah, homme d'affaires rwandais, Bazakuna. Nani Joao Alobi, Balien, Bazali, qu'on gardait. Na Kagame, Eza Balien, Moko, solide. Coopération, Ezali, Bazali, dans alliance, Moko, stratégique. Kagame vient de nommer son nouveau ambassadeur en Angola. C'est que la RDC doit faire très attention à la frontière. Il y a un nouveau ambassadeur en Angola, Oyo Kagame Tindi. Souvent, na ba point na stratégique, Kagame envoie batu na yo babu makabatu, o babu misaka batu, o ba créer ka ba conflit. Ndenga tinda ki oya uti ko bengana awa na Kinshasa. Partout où il passe, il laisse des morts. Partout il passe, il va en mission. L'ambassadeur à Kagame, n'importe qui, ce sont des renseignants. Ata travailler quelque part, il faut avoir temps, il y a qu'au forger, il y a mission suicide. Il y a un commandant, il y a un soldat, il y a un place où il y a un. Donc, en Angola, notre renseignement doit aussi ouvrir l'œil sur notre frontière avec l'Angola, bien que nous avons de bonnes relations avec l'Angola. Objectif au Kagame Azanango, guerre diplomatique où ils ont opposé Félix Tshisekedi, na Kagame, ils ont aussi na biso tout sa confiance na mototé. Nous devons avoir confiance qu'en nous-mêmes. Peu importe ma sourire, peu importe bonne volonté affichée par certains présidents. Mouzé Laurent Désiré Kabila a eu le sourire de tout le monde. Ba encourager qui est, ba za ko féliciter yé, ba lobi aza franc. Ceux qui l'ont sacrifié pour na intérêt na bango, ce sont ses propres frères, entourage, batoyo, ya bandai ko mona lokola ba frère. Taka ba Zimbabwe, Zambie wana, ba Angola, ba pays oyo ya lobi ce sont des pays frères avec bango to créer révolution. Comme tozala na sang ba za ko finga biso ba nègre. Ah, ba pesa ki bango boulot de nègre. Ils l'ont sacrifié. Donc, face aux autres, ils ont traversé, ils sont très sensibles. Pensez que ça va passer vite parce que l'Angola, ce sont plus la plupart des Bantous pour nous. Même pas Batouti, Batou, Balimbi, Kagame, Bazali. Seulement, parmi les Tutsis là, il y a aussi des divisions. Malgré Bango, Bazali, na discrétion moro, légendaire, naturelle. A koko bomba le kamou 50 ans, tabo boko liye nanda kuna bino ba pesa ke mission mou koye bate. Ça c'est quelque chose qu'ils ont de manière naturelle. Mais il y a aussi des Tutsis qui désavouent Kagame. Parmi les livrés ou les mauvais grains, il y a aussi des bons. Bazala kakaka. Nous devons cesser de voir les choses de cette manière-là. La SADC, si elle va intervenir, le Congo doit se focaliser sur son armée, sur la réforme
de son armée. Ba réformes importantes au bisou tozako zela oyeza ko bimisa lambongo ebele. Construction ya ba camp, ba logement ya ba militaires. Nos militaires bazali na eloko moko et salut que désordre étatique. Et le ngoli ba militaire na biso instinct patriotique pour la plupart. Chaîne ya commandement na biso militaire. Tozala ba militaire oyo mouté monsieur comment na commerce. Malgré zo mona bango bazako changer bango ba poste bazako bandela ko nommer bango. Er moko tongo ko raisonner to lobeza la ta période a Hitler bozui boche bango nyonso na ba tono acide. Ba limwe bo bandeli ba oya sika. Mais on n'est pas criminel pour le faire. Ezaka faso tozako lobela. Ça fait très mal. Que biso tozako luka batu oyoyo li pekane ni tokoko tchela loboko pour s'appuyer dessus to lobake toza atana frère au moins l'EAC nous a trahi, l'EAC n'est pas avec nous, appuyons nous sur la SADC. Détrompez-vous, partout c'est le jeu d'intérêt. Observez que partout passe Félix Tshisekedi, Kagame pas obligé à les kawana. Et comme nous avons le rôle à songi songi, vous avez vu que nous avons dit que nous avons dit que la guerre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame est beaucoup plus résolue au sommet que dans le niveau moyen au Bissot Ozakota de Lango. Parce que le niveau africain, c'est le niveau de manipulation. La plupart des présidents africains obéissent aux ordres. Ce qui est le cas, Eduardo. Ba français, ba américain, tout est bisio, salaboué pour Nakagame, salaboué pour la RDC. Bango balinga ko beyer bongo na instruction. Soki ba lobi yo Kenya, ba lakisi musapi. Tala soko yo kite toko sala yo boye, toko sala yo boye. C'est ce que les Kenyans vont faire, les Kenyans vont faire parce qu'il y a bien que source, il y a pouvoir na appui et za kuna libanda. Donc comprenez comment les présidents africains agissent. La guerre, Félix Tshisekedi a bien fait parce que pendant ces 4 ans il a déboulonné Kagame, abimisi Kagame na cachette na ye, a exposé ye na monde. Les restes, la plupart, il y a phase, il y a guerre, oh, tout ali ko bunda, et qu'on a la résolu à l'international. Entre temps, nous Congolais devons apprendre à nous défendre, apprendre à nos enfants, inculquer à nos enfants une mentalité guerrière de défense des intérêts de la nation. Tout ça n'a pas de défi ébélé. Nos plus grands défis sont à l'interne. Tout ce qui s'appuyait sur ba Mangomba, ba organisation, nous avons été déçus par tous. Tout ça n'a pays mon côté où ils ont la minute et qu'on facilite. Bisoto le banon, c'est la SADC. Ceux qui SADC et yen, d'engue zabou. Ah, wa binou moko ba murmure bandi. Oh, Joao, oh, Moni, bazapé n'angola. Oui, Joao est clair. Il doit garder ses bonnes relations avec Kagame parce que Babanda peut qu'elle a relation. Nakati, parce que le Rwanda a infiltré presque tous les pays de l'Afrique centrale. Rwanda a infiltré. C'est maintenant à travers la RDC que va payer Bélé va remarquer que Baza a infiltré Naba Rwandais. Naba faire, na politique. Il se rend compte que les Rwandais ont infiltré tout le monde. Vient Abiso Yangabu, Nazoko Takaramingite. Conflit ya bateki na bayaka. Le vieux Sassou Nguesso a compris que ba intérêt à Sassou eza kuna bango pe baza kolela kuna abandi ko compliquer biso tâche ao. Donc il y a un sérieux travail que nous devons faire à l'interne. Si à l'interne on est soudé, otoza ko beta masolo ya ko s'appuyer sur baninge ko zalati. Les conflits teke yaka ezali conflit moko les alliés qu'au Kamusaba congolais belé à la périphérie de Kinshasa se créent toujours bien en déjà une rébellion parce que ce n'est plus une milice, vu ce qui se passe c'est du terrorisme culture yo ya ko kata batu mitu ba innocent même bana on pensait que ça devait se passer seulement à l'est, ça s'est passé seulement à l'est du Congo. Qu'est-ce qui y a transporter cette culture pour même si réellement ba yakana bateke baza en conflit ndenge gouvernement azo concevoir ngo ndenge bien sozo monelango. Mais qu'est-ce qui a importé cette culture ou bien transplanté cette culture pour elongwa na est place ravage za ko salema et se retrouver na Kinshasa logiquement avant la kota na makamumulai. Moi, je vois déjà qu'il y a une main noire
y a Batou, va décider que va créer conflit wana pour déstabiliser Kinshasa. Ces conflits a commencé le coup les logos moko kaka boy bizarre les a commandé nango Batou Balobia. Ah, ça va finir, le gouvernement a tenu une intervention. Pour enfin se dégénérer. Parce que si on a eu la télévision, même le service de renseignement, même le gouvernement, il y a eu le raconteur. Mais des fois, nous faisons un grand travail pour la nation, il y a eu le raconteur. Oyo, peut-être, vigilance dans le cadre de service, ils allaient vraiment te. Et que à travers l'information, les gouvernements doivent se pencher à temps pour éviter la crise Moussoussou et Yakati. On a parlé des Rwandais dans le plateau à Bateke. Et effectivement, il y a des traces des Rwandais dans le plateau à Bateke. La période de Kabila a fait que les Rwandais ont traversé d'est à l'ouest, de nord au sud, les Rwandais ont sillonné et puis bazar en batras, batiki batras na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Les services de renseignement rwandais a étudié les comportements des Congolais. Avec ambition ya Kagame, avec direction parce que on sent au toyebi que Kagame a dirigé Kimboko pendant 18 ans avec Joseph Kabila. Si ils ont réussi à infiltrer toutes nos institutions, c'est vrai que bah réussi au pays n'a qu'infiltré toutes nos populations. C'est vrai que bah tout ça qu'on vit vraiment bah on oyebite dengeni ni basali pour bah comme la région nabino. Nos services de renseignement doivent comprendre tout oyebite que Moussala oyo bah Rwandais basali pendant plusieurs décennies. Pendant un demi-siècle avec l'aide occidentale, ils allaient Moussala autre détruire T en 5 ans, en 10 ans. Peut-être c'est difficile, ils n'ont peut-être pas si il y a qu'on concevoir un monde dans le Belango. C'est un travail où il y a clairement que les Américains, les Européens, dans un complot international contre le Congo, qui visait la balkanisation, ba zoabater na biso, ba pesango na batu, oyo bango ba monai ki baza na intelligence eko servir bango. C'est un conflit qui date de longtemps. Si Lumumba criait déjà, parlait déjà de la balkanisation, parlait déjà du complot, Makambo onyonso y bandit déjà na départ. Si koyo toza komona conflit moko yé na est, parce que je me demande réellement Moussala ou Ezako Salima na kati ya ville à Kinshasa en termes de renseignements. Parce que la ville de Kinshasa, tant toza koloba, bazo loba plateau de Bateke, c'est quelques kilomètres na ville à Kinshasa. Là où on est en train de massacrer les gens. Il y a encore deux jours. Ba vidéo est circulée le sous y a ba massacre Moussoussou et Salami. On comprend que bato ba ko massacrer bato boye. Ezaka katé par instinct ya ko wé la mabélé. Ezali bato oyo baza formé ba yebi ndenge nini ba service na biso a sécurité fonctionnaka ba yebi ba fay nango po ba ye ba ndenge nini ba ko opérer sans que ba service ya sécurité ba se rendre compte. Il y a des études à faire là. Chikolo, pendant ce temps, Nangambu na Brazzaville, les suspects sont là. Même si on n'a pas assez d'éléments pour illustrer, on sait que Nangambu ya Brazzaville, Nangambu ya Maluku, ba Rwandais, ba somi mabele kuna. Et ce sont des suspects aussi, numéro un, parce que de temps en temps, flux migratoire ou Ezako Salema de manière peut-être des fois incontrôlée entre Congo Brazzaville na Kinshasa ezali makasi batoyo bayebi Kinshasa bayebi maloku bayebi ke dans certains coins ba congolais na biso ba skati sakana bango chaque jour na ba boîte ba ke Brazzaville akeyi ko sala même bilanga ekozong
bamusupe bazo ya Kinshasa bazo kende kulala na Brazzaville. Il y a des teke qui sont ici chez nous, qui traversent, qui vont à Brazzaville, bavanda kakuna, bazako tongana tumwa banda kuna. C'est-à-dire cohabitation wana déjà salimaka. Ils ont étudié batali ba service na biso ya sécurité ba moni non. Et cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait une main noire. Il y a des politiciens qui sont donc, si vous avez une révélation, vous avez une émission, vous avez une claire, vous avez une Joseph Kabila n'a pas perdu, vous avez aussi suspect. Oyo bazali ko faciliter que manœuvre wana esalema na périphérie ya Kinshasa ba administrateur ba chef du village désordre coutumier laissé par Joseph Kabila eza pour quelque chose na onyo tozali ko mona kuna bato ba yebi plateau ba teke ba yebi ke bangomba inhabité eza ebele bazamba eza ebele kuna bato mingi basombi yango baza ba kabiliste. Okendo ke na ngomba moko tali na kati musike sika batu bakota kati omuni mutu atonganda kukuna. Mais action na batu mususu ezate, même na bilange ezate, oke kuna okuti concession privée batia kanga muyibi. Est-ce que l'État a eu le temps de recenser toutes ces concessions vendues par les kabilistes et habitées oyo ezali entre les mains pour la plupart ya ba kabilistes? Bateke bande kuna biso ba concession est belé na bisiko bango baza ko yele lokola mabelé na bango. Est-ce que za ya bango lisusu ba expatrié ba kabiliste ba to baza ya ba province mususu nde mutu ba si bazwa majorité ya mabelé to ba 90% ya mabelé eza na maboko ya batwana conflit teke ya kai uti wapi. Clairement je suis obligé de vous dire des choses na manière analyse nga na za ko mone lango. Les renseignements rwandais et au Congo, ils ont le sous-secrété. La collaboration qu'ils ont avec le Congo Brazzaville, chaque jour, ils ont étudié le fleuve. Ils ont battu la fleuve. Ah. Ce qu'il faut faire, c'est de renforcer premièrement la force Nabiso fluviale, ce qui est naval. Il faut qu'on renforce les longs ya fleuve qu'on sécurise malam ou bakouin wana. Renforcer des services de renseignement. Mingi mingi, kobenga nanu ba responsable nyonso ya ba concession wana. Oyo ete kama de manière désordonnée na babisika wana. S'il faut installer des bases, pourquoi pas installer des bases militaires na ba concession wana. Utananu, ba tante. Ba vanda na ba concession privée wana bisika parce que za na bamboka musuba to bazako komati. Mais élément moko na zoela binoa est important, ou est très grave. Ezali répercussion hein, makam proportion makam ekomi. Un député national du nom de Willy Bolio Bozolanda yekala mingi te, aza député national à saisir Nations Unies pour na likambo ya bateke. Bah, ça les constats, bah, moi, que le gouvernement a zali qu'on constatait qu'on sécurisait batekete, qu'on batekete. La plupart des batoubaza qu'on koufa, ils a bateké. Bah, oh, baza qu'on vient bien à ceux qui va côté à Bayaka, bah, on peut pas na bango bazo monake. Far de ces affaires teké. Mais je vous laisse d'abord suivre Boyo Kanabino Moko proposition à député national, un député, Boyo Ka. Décision Yazui et puis tous les autres pour l'analyse. Nous sommes venus saisir officiellement les Nations Unies avec un mémo pour dénoncer le laxisme du gouvernement de la République démocratique du Congo à protéger la tribu Teke. Imaginez qu'à ce jour, depuis le mois de juin, nous comptons plus de 2000 morts. On organise l'épuration ethnique des Teke dans les territoires de Kwamutu, Bagata et Kinshasa. L'épuration ethnique est un acte de génocide. C'est un acte de génocide. Et que le gouvernement se taise à quelques mètres des sièges des institutions, ça joue la complicité. C'est pourquoi, ayant constaté
que toutes les commissions que le gouvernement a mises en place n'aboutissent à rien. Et que dans l'entretemps, le gouvernement reçoit publiquement ce qu'on accuse comme commanditaire de ces atrocités, mais jamais le gouvernement n'a jamais reçu les victimes. Ça nous prouve tout clairement que nous avons affaire aux sangliers et les juges cochons. Raison pour laquelle nous avons saisi les Nations Unies pour demander l'application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur la rupture de la paix. Que les Nations Unies viennent imposer la paix parce que le gouvernement en est incapable. Aussi, on doit instituer un tribunal spécial pour juger les assaillants. Parce que quand on les attrape, le gouvernement les enrôle dans l'armée. Nous avons vu à la télévision que les assaillants sont recrutés dans l'armée nationale. Au fait, on veut leur faire porter l'uniforme pour qu'ils viennent terminer leur mission d'épuration ethnique. Outre cela, on doit chasser par force, les Nations Unies doivent sortir par force, ces assaillants pour permettre à tous ces déplacés non pris en charge et qui sont partout à travers la République de pouvoir rentrer chez eux. On n'est nulle part mieux que chez soi. Tout le monde le sait, même dans votre propre villa, lorsque vous voyez un serpent entrer et vous ne le voyez pas sortir, personne ne pourra entrer dans cette villa pour aller dormir. Et dès lors que ces gens sont encore dans des forêts de Bateke, ces gens-là sont encore dans leur village, le gouvernement ne peut pas demander aux gens de rentrer. Voilà. Je pense que vous venez d'écouter le député Teke Willy Bolio. Bango ba sali constat parce que quelque part na ina moni contradiction na parce que en tant que député national, il fallait abandonner l'action gouvernementale. Et ça c'est que le gouvernement a sali l'autre côté. On a envoyé plusieurs fois des militaires ba etoufa ki ango, il y a des gens qui sont arrêtés mais ils en a ba recruté mususu bazali. C'est le travail qu'il faut continuer à faire. Député Lobby, pour n'aille constat, basali bamoni que gouvernement a zoko consali le côté, bas commission est belé basali, consangiso bango basa consangis ça pour n'agolu kakozwa bas solution et ça quoi apporter le mon côté. A memi décision, a memi angoli kabouana na Nations Unies. Nations Unies a zo bas disposition pour n'agotinda force n'aille et a pour na ko éradiquer phénomène wana et puis bazo ba disposition ya ndeni ni ko sécuriser ba teke po bazonga na bamboka na bango bisika ba teke teke. Et celui-là s'appelle député. Franchement, na kala politique ezalaki ya ba philosophe. Notre député, avec tout le respect qu'on le doit, honorable, ne sait pas faire le bilan. Il y a 20 ans au MONUSCO a sali na Congo. Ba massacre ya zako mona, ce sont des millions de Congolais et de Hutu qui ont été massacrés. ONU a sala et loko mokote. ONU a zana Congo, o ya zako luka wana que Nations Unies intervenir et zana Congo. Bilan nango eza négatif. Et si ka ONU atinda ka mission na yeto yoki mboka mokote ONU abimia tiki kimia. Exacte. Ce que Zali a na ébité na contexte nini, il faut bien lire l'histoire. Bisika nyonso ONU azako leka madusunde ezako dikala wana. Nandenge bako bimelo ko moko ko sale maté. Siko yo député au lobby na périphérie Kinshasa na plateau Bateke, bacha ONU pour na ko éviter que esalema. ONU soko yébité ayaka pe ko amplifier. L'ONU a été accusé plusieurs fois en République démocratique du Congo à l'Est de collaboration avec les mouvements rebelles. Ba kota na système, ba koma ko collaborer na ba mouvements rebelles, ba amplifier kutu ba conflit. Ba eliko na bango ezoke ndoka bola minduki. Yango yo za koluka. Ces députés-là est obligé d'être suivi de près. Ba toyo baza ko tirer ba ficelle pour être situation et s'envenimer davantage à l'interne. Ils allaient bas politiciens, mingi bas kabilistes. À l'externe, tu as vu malamu que ce qui se passe là-bas, les pays voisins d'Abissou et Ngamboupé, asa suspect. Que nos services de renseignement prennent le temps d'étudier clairement la carte démographique du Congo, de s'asseoir avec les services d'immigration, de concevoir un plan de renseignement national pour détruire
l'infiltration rwandaise et celle d'autres pays où tous ont vivre dans Bokana Bisso. Et ça, Moussala Makasi Bandeko. Je suis obligé peut-être de dire ça, ça fait mal, mais ce qui a été fait dans ces pays pendant plus d'un demi-siècle ne peut pas se déconstruire quand il y a une légèreté 5 ans, 10 ans. Et ça, Moussala Makasi, il faut de nouveaux renseignants, il faut travailler la population congolaise pour te faire face à fléau. Au moins, il y a un peu de temps. Si nous, nous ne comprenons pas ce qui a été fait chez nous ici, nous allons aux Alaga Makasi. Et puis, quelque part, il dit Charte des Nations Unies, tout ce qu'il dit, Charte des Nations Unies. Et ça, il m'a rappelé un peu. Je passe. Des informations sensibles, bon, mon agar en dingue n'a sauté en haut. Les phénomènes de destitution des gouverneurs. C'est vrai. Pour n'ako déraciner Joseph Kabila na Congo, nous avons des fois applaudi plusieurs destitutions. Il y a un gouverneur tel à Longwe, Bobeti Maboko, Lobi, Oyo Moussissa Kabila. Gouverneur tel à Bapikolié, Lobi, Ah, Bakati Moussissa Kabila. Gouverneur tel à Pikwamisa, Wana Kabila. Mais, tout comme il faut se rendre compte que petit à petit, tous ont découvert qu'ils ont un réseau mafieux où ils se cachent derrière la destitution et le gouverneur. Vous voyez, il y a une information dans la partie privée. Lorsqu'il s'agit de dire la vérité, il est obligé, tous ont obligé à le faire. Awa, ils ont le gouverneur de Tanganyika, la gouverneure Julie Ngungwa, déchu, ils ont accepté des fêtes dans l'été. 14 députés basangani balobi bazako destitué sur 25 14 nde bayaki basali si bango moko vote ba destitué yepe alobi akotika ndenge wana te azali membre ya parti au pouvoir akoki kozala déchu boyete le militant de l'UDPS des cadres du parti bazako senga Augustin Kabuya atala likambo wana parce que on ne peut pas destituer comme ça une gouverneur, membre du parti présidentiel. Ah, mais dans la logique, il y a démocratie. Ça n'entre pas en jeu. Les jeux politiques peut-être, mais dans la logique, il y a démocratie. On peut destituer un gouverneur, peu importe son camp. Azala ya UDPS, azala ya WAP, bako ko destituer. Batoyo, bazako mona menoir balobi, menoir izako wuta na Kinshasa. C'est-à-dire la collaboration entre influence et parti politique, le MLC, le parti modeste, il a s'affirmer na politique na bango. Il faut ba diriger Tanganyika. Yango va utiliser ba député pour na déchoir gouverneur et il y a Tanganyika. Ngana za ko kende mingi tena muzindo pona ko landela ka. Qui sont dedans, boya ko tuna ngai où sont les preuves, boza ko tanga na lobby ou batu ba lobby déjà. On suspecte les partis de modeste Bahati, on suspecte batu moko baza ko travailler na ministère intérieur. Baza ko tuna pourquoi ministre intérieur Peter Kazadi a bengisa ki gouverneur awa atiki awa kei makamwane trali ko sale makuna. On ne sait pas le pourquoi, mais tout ça, ça profite à qui? Est-ce que réellement ba gouverneur nyonso toza ko mona menacé na ba assemblée na bango national de destitution pe baza ko destituer bango baza réellement incompétent ou bien il y a d'autres cartes? Ce que nous devons savoir, c'est que Mboka Oyo, dès que les Congolais vont vivre dans la COP, les députés et les politiciens peuvent vivre dans la COP. Ce qui détruit le pays pour que le pays ne marche pas. Dans la province, au lieu de réfléchir sur le lenge nini, les gens réfléchissent comment
Ils peuvent nuire à celui qui est en place pour Bango va se positionner. Pour le bingana za la gouverneur, il faut auto quoi ça y est, même ceux qui ba kotia kingandi ngana kokota na sima kingandi, tala ba calculer les beleza na kati ya ba province na biso. Tous ces calculs ne profitent pas au peuple congolais. Ils ont profité té na ba citoyen ya ba province wana. Ce qui est bien, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été réclamés, le gouverneur tel, ils sont incompétents, ils ont été manipulés sans le savoir. L'Assemblée provinciale, ils ont collaboré avec le gouverneur, ceux qui ont été associés dans la mangeoire, ils ont été en cop, ils ont été là. Ceux qui ont gouverneur, ils ont été en train de se faire sur telle ou telle action. Bamboni ke bango intérêt na bango ezana katité il faut balukela ye motion balukela ye bevu oyo bango et ko servir bango po balever motion balobaté to destitué. Chers frères congolais, développement toza ko luka, changement toza ko luka na politique ya mboka na biso eza bloqué na ba mentalité na biso. Tant qu'on sera là à cautionner des actes comme ça, oyoki ba batelemi koto to kondi meloko wana te me yozala kana Tanganyika to kondi mango te ndenge nini. Toi tu ne vis pas au kata au Tanganyika, ba toi Tanganyika ba vivre bandi mango to kondi mate gouverneur nanga. Toi tu habites à Kinshasa, yonde mutoza chargé à publicité à Fifi Masuka. Franchement, c'est que mboka oyo biso nyonso to tika misala toza kosala to kota na politique. Ça fait très mal que sous la présidence de Félix Tshisekedi, vision Oyo Étienne Tshisekedi a yaki nango na Congo, Oyo mwana na ye incarné et comme monsieur président de la République, tout le monde a que politique est un business. Bah, les gens sont prêts à abandonner leurs affaires, de vendre leurs parcelles, d'offrir leurs jeeps pour avoir des postes. Et ça passe. Avant la chité, on a été venu à l'époque où ça passe, on a été venu à l'époque où on a été là. On a des projets, on a des investissements, on a des choses qui sont en bonne santé. On a des choses qui sont en bonne santé, on a des choses qui sont en bonne santé. Mais quand ces gens-là arrivent, on a des gens qui sont en aéroport, on a des ministères, ils ont calvaire. Eza calvaire na ba institution mboka na biso. Chaque jour qui passe ici, les gens se découragent. Venu pour investir, dossier à ba 10%, il y a ba 30%. Baza na combien bongo na bango, mutoyer pour investir, yo za habilité té. Même si on a canal par où il peut passer, au chiffre d'affaires na bino eza combien. Est-ce que ko vérifier? Bonjour lunga bo sala nini? Des fois, il y a des idées à Moutou, il y a des idées à Moutou, il y a un trésor public. Franchement, monsieur le président de la République, monsieur le premier ministre, est-ce que pour Nayango, vous occupez le chaté, même service à renseignement et l'Andelac? Mettez même un numéro rouge. Et tali makambo, et tali investissement, avec les caca même dans le niveau, il y a. Ma structure habilité, où ils allaient soutenir ceux qui investissent, ils allaient battre, ma structure proprement dite. Mais pour battre, ils allaient garantir, il faut payer service, il y a contrôle. Maintenant, quand tu as le sous-service à contrôle, tu as noté pour que tu facilité, tu as noté que tu as un peu de poche. Tu as un peu de temps. Je suis un peu de temps, mais je reçois des appels chaque jour, il y a battu dans divers continents. Bazali ko se plaindre d'investissement na Congo. À moins qu'il y ait la Congolais, il y ait quatre coins à Walanda, à Zakuleka, vert, à Yébi Code. Les autres qui sont partis depuis longtemps, franchement, ils finissent par être déçus. Nous avons dit, voilà, émission à Mukola Lelo, et comme Nasuka. Merci Mingi pour la Moutou Landi Ango, et pas Union, Bozoami à travers Mukili Mobimba. Samba Olonga, apesibino matondo mingi, bo partager mission au large de diffusion, pe sa pe voisins à la éclairer.
Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous remercie de l'équipe technique qui a été à Chaco, accompagné de l'émission Oyo Ekomelabino. Je vous remercie de l'apôtre Gérard Kabea. Merci Mingi na papa Jean-Louis Timbalanga, l'homme de la vérité des journaux. Merci beaucoup à maman Bill Honda. Merci Mingi na papa Boniface Mpunga. Merci à maman Lisette Mombendou. Merci na Bino Nyon Sobozali na Likanisha Malam pour l'émission Debout Congolais. Tozali Koko Bana Bino, rendez-vous et Zalinde na sommet. Ngai na Bino, to Kabwani Awa, to Mounani na émission Elandi.